pourquoi c'est moi qui dois aller chercher? Qu'est-ce qui se passe? On nous attaque. Rose, va rejoindre les autres. Oui, monsieur. Il faut retrouver Satan le plus vite possible. Je dois mener nos hommes pour défendre le QG. Et qui? Tout repose sur toi. Vous êtes sûr? Anti-démon et je sais pas m'en servir. Ah, Equinox. Je t'attendais justement. Mais vous êtes qui? Tu prendras bien une petite part de tarte? Les pommes viennent de mon jardin. C'est vous, Satan? Eh oui, mon petit. Allez, viens. Entre et assieds-toi. Mais vous êtes pas censé être emprisonné? Qui t'a dit ça? Bah, je sais pas, tout le monde. Vous êtes Satan, le prince détrôné par Belzébuth. Ça fait des siècles que vos fidèles vous cherchent partout. Et il faut aller les aider, là. Et toi, il faut vite que tu finisses ton thé si tu veux pas me vexer. Tu veux pas vexer Satan, n'est-ce pas? Je déconne. Par contre, j'irai pas avec toi. De quoi? Bah oui, c'est pas mon combat. Ma vie, c'est ça, maintenant. Mais vous pouvez pas dire ça? Et Balaam? Et tous vos fidèles qui se battent pour vous? Mais j'ai jamais demandé à ce qu'ils se battent pour moi. Mais vous êtes Satan? C'est vous qui devez régner sur l'enfer? Mais j'ai jamais demandé à régner, moi. Je vais te raconter une petite histoire. Au commencement, l'univers était formé d'une chose, le chaos. Un amas d'éléments instables, désordonnés, incohérents et infinis. Mais dans ce chaos, il y avait tout ce qui était nécessaire pour créer la vie. Un jour, peut-être par hasard ou décidé par une force supérieure, une gigantesque explosion se déclencha, le Big Bang. Et de cette explosion, deux êtres ont été créés. Deux êtres complètement opposés, mais qui formaient un équilibre. Dieu et moi-même, Satan. La vie et la mort, la construction et la destruction. L'un ne pouvait vivre sans l'autre, et l'univers non plus, parce que l'univers a besoin d'ordre et d'équilibre. Ainsi, Dieu se mit à créer toutes choses. La lumière, les anges, les étoiles, les planètes, dont une en particulier, la Terre. Et je te laisse deviner la suite. Il créa le ciel, la terre, la nature, ainsi que tous les animaux qui y vivent, et avec à leur tête des animaux dotés d'une intelligence supérieure, les humains. Exactement. Mais le monde ne pouvait pas être perpétuellement en croissance. Pour pouvoir vivre pleinement, il devait y avoir une fin. Les humains que Dieu avait créés étaient des êtres immortels, sauf que des êtres qui ne peuvent pas mourir et qui peuvent donner la vie. Si on leur donnait pas une fin, alors le monde ne pourrait pas trouver son équilibre. Donc, j'ai dû trouver un moyen de changer ça. En utilisant l'arbre de la connaissance. Les humains n'avaient pas vraiment conscience du monde et de la vie qui les entourait. Ils étaient juste là pour suivre un ordre, s'occuper du jardin de Dieu. Et progrès, sans pouvoir choisir quoi faire, sans véritable réflexion derrière. Mais je comprends pas. S'ils pouvaient pas vraiment réfléchir, comment Lilith a-t-elle pu se rebeller? C'est tout le paradoxe de la chose. Adam et Lilith ont été créés égaux, à tel point qu'ils voulaient pas se soumettre l'un à l'autre lors du coït. Adam voulait être au-dessus, il voulait prendre les choses en main, mais c'était aussi le cas de Lilith. Et quand deux êtres veulent prendre le dessus, il y a forcément un conflit. Du coup, ils se sont violemment disputés et Lilith a claqué la porte. C'est pour ça que pour rectifier le tir, Dieu prit une côte à Adam pour en faire sa nouvelle femme, Ève, qui elle lui serait soumise, permettant ainsi la procréation. Ouais, une belle connerie de sa part, si tu veux mon avis. L'humanité ne peut pas vivre en harmonie si les uns doivent se soumettre aux autres. Heureusement que les choses sont en train de changer, même si c'est pas le cas partout. L'équilibre viendra. Mais pour le moment, dans notre histoire, notre problème persistait. Des immortels pouvant créer des immortels, le monde ne pourrait jamais les contenir. Mais heureusement, dans le jardin qu'ils cultivaient pour Dieu, se trouvait un arbre dont les fruits permettaient d'élargir leur perception de la vie. L'arbre de la connaissance.
Mais Dieu savait que si les humains mangeaient de ce fruit, il ne pourrait plus les contrôler et faire en sorte qu'ils évoluent comme lui le voudrait. Alors il leur a tout simplement interdit l'accès à l'arbre. Et c'est là que le serpent apparaît. Ah, ce cher Lucifer. Un ange dont l'intelligence surpassait celle de tous ses frères. Et ça l'attristait beaucoup de voir les humains bridés de cette manière, ne pouvant réfléchir par eux-mêmes. Donc, je l'ai approché et convaincu de m'aider. Ainsi, lui pourrait donner la connaissance aux humains, et moi, je pourrais faire en sorte que l'équilibre soit rétabli. Mais comment ? En quoi donner la connaissance aux humains permettait de restaurer cet équilibre ? Eh ben, en ayant la connaissance, les humains, ils étaient plus obligés d'obéir à Dieu. Et ça, ça lui plaisait pas trop, les êtres immortels qui évoluent dans son monde éternellement. Donc, il enleva l'immortalité aux humains, les obligeant à se nourrir pour vivre, à vieillir, leur permettant de se blesser, et finalement de mourir. Et comme ça, il pouvait se débarrasser de ceux qui ne lui étaient plus utiles. Oui, mais il a quand même donné une chance à l'humanité, celle de pouvoir continuer de vivre. Et si elle le faisait de la bonne façon, elle pourrait le rejoindre après la mort, et retrouver cette immortalité. C'est quand même cruel comme façon de faire. Ça dépend des points de vue. Dieu, il a donné sans compter aux premiers humains, en demandant seulement l'obéissance en échange. Donc maintenant, il doit leur faire comprendre leur faute et qu'ils doivent gagner leur place au paradis. Mais du coup, c'est lui qui crée l'enfer ? Ben oui ! Il fallait bien un endroit pour accueillir toutes les âmes de ceux qui n'étaient pas acceptés au paradis. Et qui mieux que moi pouvait diriger ce monde ? Moi qui étais perpétuellement contre Dieu. D'ailleurs, l'enfer, c'est pas vraiment comment l'Église le décrit, où les âmes sont perpétuellement fouettées et torturées. Enfin, ça, sauf pour les masochistes, mais c'est eux qui le veulent. Ouais, c'est eux qui le veulent. Et c'est bien là la différence qu'il y a avec le paradis. Ils ont le choix de souffrir ou non. Alors que, une fois que l'âme est envoyée au paradis, elle est nettoyée du fruit de la connaissance, il reste plus rien, il reste une béatitude aveugle. Et c'est pas si bien que ça, hein. C'est comme être shooté éternellement, non conscient des choses. C'est pas dingue. Et entre ça et l'absence de liberté, il fait pas bon être au paradis. C'est pas pour rien qu'une partie des anges s'est rebellée contre leur créateur. Quoi de plus normal ? Quand tu prends les veilleurs, les anges responsables de surveiller l'humanité, qui sont tombés amoureux de femmes humaines, leur enseignant des sciences, couchant avec, donnant naissance aux Néphilim, et que derrière, Dieu a tout détruit. Normal qu'ils aient envie de se rebeller. Ouais, voilà ce qui se passe quand on crée une chose que Dieu n'a pas voulu, comme les Néphilim. C'est la seule fois où Dieu a perdu le contrôle, et a fait tout détruire avec son déluge. Ouais, lui qui n'était que création, ça l'a beaucoup affecté. C'était plus le même après ça. Il est devenu bien plus sévère pour être sûr que ça recommence pas. Bon, après, vous n'avez pas non plus été très tendre avec l'humanité. Quand on prend le cas de Job, par exemple, vous l'avez quand même bien fait morfler. Faire mourir sa famille, ses domestiques, son bétail, fait souffrir d'un ulcère. Il a vécu un véritable enfer. Et à la demande de qui j'ai fait tout ça, à ton avis ? Dieu pensait que Job était parfaitement fidèle. Il voulait pas croire que son protégé se rebellerait s'il était au fond du gouffre. Du coup, Dieu m'a demandé de le tourmenter. Et résultat, Job s'est rebellé. Mais Dieu est arrivé, il lui a dit un gros « ta gueule, c'est magique, tu peux pas comprendre ». Et Job a dit d'accord. Bon, après ça, il lui a offert une nouvelle famille, des richesses, mais ça remplace pas. Et pour le roi David ? J'ai pas fait grand-chose pour David. Je lui ai juste fait comprendre que maintenant qu'il avait une grande armée et qu'il gouvernait un pays énorme, il avait plus besoin de compter sur Dieu pour lui apporter bonne fortune. Et que s'il me croyait pas, il avait qu'à faire compter tous les gens de son peuple. Compter les gens de son peuple ? C'est ça ? Bah oui, il gouvernait presque 2 millions de personnes. Et à l'époque, il n'y avait pas 8 milliards d'humains comme maintenant. Mais attendez, si j'ai bien compris, juste pour ça, Dieu s'est énervé et a laissé le choix à David entre 3 punitions. 3 ans de famine, 3 mois de guerre pour Israël et où David serait blessé, et 3 jours de peste. Finalement, 100 000 personnes sont mortes de la peste parce que Dieu a fait un caca nerveux. Oui, juste pour ça. Il avait peut-être peur de se faire abandonner. Étrangement, par la suite, il a décidé de faire tout l'inverse, en pourrigatant le fils de David, Salomon, avec, entre autres, le pouvoir de contrôler les démons. En lui offrant tout, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y soit fidèle à jamais. Ça n'a pas vraiment été le cas, avec Salomon qui fit construire un temple en l'honneur d'un autre dieu, pour les jolis yeux d'une dame. Ah bah ça, les hommes sont toujours faibles face à la gente féminine. Je vois pas de quoi vous parler. Mais quand on y pense, vous apparaissez pas tant que ça dans l'Ancien Testament, seulement en rêve à un mec en sud, c'est tout. Ouais, et de ces petites apparitions où j'ai finalement pas fait grand chose, on met tous les malheurs du monde. Alors, bon, d'accord, à cause de moi l'humanité est devenue mortelle, mais si on la régulait pas, si on les laissait immortels, jamais la Terre aurait pu contenir tout ce monde, ni n'aurait eu les ressources nécessaires pour continuer à tourner correctement. Je suis un peu le premier écologiste du monde, finalement. Déjà qu'en étant mortel et avec 8 milliards de personnes, on liquide en 6 mois les ressources que la planète peut produire en un an, alors j'imagine même pas un monde où tout le monde serait immortel. Sans l'équilibre qu'apporte la mort, t'aurais peut-être jamais vu le jour. Tout aurait sûrement disparu bien avant. Ça aurait peut-être pas été plus mal. Mais pour en revenir à la Bible, vous avez été bien plus actif dans l'histoire du Nouveau Testament. Et bah, pas plus que ça quand tu regardes.
On parle de moi comme étant la figure du mal et des mauvaises décisions que je ferais prendre aux gens. Soi-disant, c'est moi qui suis rentré dans le corps de Judas pour le faire trahir Jésus, alors qu'il était juste attiré par l'argent. On parle aussi du diable dans le désert qui aurait tenté Jésus 40 jours et 40 nuits. Mais le démon du désert, c'est pas moi, c'est Azazel. Et pour finir, le Nouveau Testament parlait déjà de Belzébuth qui dirigeait les démons. J'avais déjà en tête de lui laisser ma place à cette époque. Attendez, quoi? Vous vouliez lui laisser votre place? Mais je croyais qu'il avait fait un coup d'état et vous avez fait prisonnier? Plus tard les explications. Allons prendre un peu l'air. Graham, je vous imaginais pas comme ça. Comme ça, comment? Je sais pas, quelqu'un de calme, joyeux, sympathique, presque humain finalement. Et sans corne ou pattes de bouc. Ah, bah oui, je veux bien te croire. Mais tu dois t'en douter, cette image de satyre qui me colle à la peau. C'est les humains qui l'ont inventée. Bien que je me sois amusé à la prendre par la suite, surtout pour des soirées pas très catholiques. Mais c'est une apparence qu'on m'a donnée tardivement. C'est vrai qu'on vous donnait cette apparence surtout après le premier millénaire. Au début, ils me donnaient pas de forme spécifique. Je pouvais, selon eux, apparaître sous une forme animale, celle d'un chat, d'un chien ou même d'un âne. Ou sous forme humaine aussi, avec l'apparence d'un homme noir. À tous les coups, des paysans ont croisé quelqu'un à la peau noire, et c'était tellement peu commun à l'époque qu'ils l'ont pris pour vous. Tu crois pas si bien dire. S'ils savaient que les premiers hommes étaient noirs, ils iraient crier au blasphème. Certains disent que cet homme noir portait les cornes, les oreilles d'âne, et qu'il était muni d'un gros engin. Ce dernier atout est notre seul vrai point commun. Vous voulez dire que les représentations de vous avec un visage aux fesses sont fausses? Oh, quel dommage. Ce serait quand même bien contraignant. Ensuite, ils ont commencé par prendre des propriétés d'autres divinités. Ils m'ont même donné la fourche d'Hadès. Sauf que la sienne a deux pointes alors que moi j'en ai trois. C'est vrai que ça ressemble surtout au trident de Poséidon en fait. Mais bon, ça c'est rien. Quand on pense qu'ils vous ont donné l'apparence du Kernunos des Celtes ou du Pan des Grecs, et paradoxalement ce sont des entités bénéfiques, Kernunos, divinité de la nature, des animaux ou encore de la fécondité, et Pan, divinité de la nature, qui est même devenu un dieu universel pour certains. Ouais, mais tu comprends, une entité mi-homme, mi-bouc à grosse queue, ça fait peur. Et tout ce qui fait peur est bon à prendre pour contrôler les masses. Mais pourquoi faire au final? Officiellement, faire en sorte de sauver les âmes de tout le monde sur Terre. Officieusement, contrôler le monde, acquérir des richesses et garder les gens fidèles à leur doctrine. Avec tous les courants qui ont commencé à se former, le catholicisme, le protestantisme, l'orthodoxie, plus les autres religions abrahamiques et asiatiques, l'Église avait peur de perdre le pouvoir qu'elle possédait. Donc il fallait trouver une solution. Et bah la solution, c'est Bibi. C'est vrai que c'est devenu non une religion d'amour ou de crainte envers Dieu, mais une religion de crainte envers vous. L'important n'était pas tant d'aller au paradis, mais de ne pas aller en enfer. C'est bien pour ça que pour certains, je suis le meilleur ami de l'Église. Parce que sans moi, elle serait jamais arrivée aussi loin. Heureusement, maintenant, cette image tend à disparaître. Le diable n'est plus vraiment une entité qui viendra vous posséder ou vous corrompre personnellement. C'est simplement rester un symbole, une idée, un concept. Pourtant, il est dit qu'à la fin des temps, vous êtes amené à revenir et à tout détruire. Eh ouais. T'es bien sûr que c'est moi qui détruis le monde? Putain, mais ouais! C'est Dieu qui décide de tout détruire. Et cette fois, c'est à cause des humains. Je t'écoute. Bah, quand on prend le concept de l'antéchrist, de la bête de l'apocalypse, que tout le monde l'adore, qu'il faut avoir sa marque sur le corps, quand on réfléchit dans le monde dans lequel on vit, ça pourrait vraiment être le capitalisme qui régit le monde et même le détruit. Et la marque qu'on aurait sur le corps, ça pourrait être, je sais pas, une puce qu'on nous implanterait et qui nous permettrait de payer. Continue. Et c'est pareil pour les quatre cavaliers de l'apocalypse. On a quatre cavaliers: guerre, conquête, famine et mort. Bon, même si de temps en temps, guerre et conquête sont une seule et même entité et qu'on est pestilence qui propage des maladies. Guerre et conquête, de tout temps, les hommes se sont fait la guerre, surtout au nom de l'Église. Famine, plus ça va, plus on est nombreux sur Terre. Moins il y a de place, moins il y a de nourriture pour tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe quand on est très nombreux, tous entassés, tous affamés? On développe des maladies qui se propagent. Et pour finir, la mort, provoquée par les guerres, les famines, les épidémies, provoquées par les humains. Et qui décide de détruire toute l'humanité et d'en garder quelques-uns?
Ben Dieu, c'est lui qui envoie ses anges détruire un tiers des mers, des lacs, des animaux, des hommes, qui libère Abaddon pour faire souffrir les humains. Comment c'est possible que ce soit lui le bien et vous le mal, avec toutes les horreurs qu'il engendre depuis la nuit des temps? La raison est simple. C'est quoi le bien? C'est quoi le mal? C'est juste les concepts. C'est des idées différentes pour chacun. Ce qui est mal pour les uns n'est pas forcément pour les autres. Dieu, il est le bien pour lui et ses fidèles. Et les autres religions sont le mal, alors que pour d'autres, c'est tout l'inverse. Certaines choses, comme l'homosexualité ou la sodomie, sont acceptées chez de nombreuses personnes, mais sont diaboliques pour d'autres. À tel point que certains encourent la peine de mort pour ces pratiques. Quel bordel! Et c'est dans ce monde qu'on évolue. Eh oui. Je veux plus faire partie de tout ça, moi. Mais du coup, c'est quoi cette histoire de coup d'état? Que vous avez été trahi et fait prisonnier par Belzébuth? Tu trouves vraiment que j'ai l'air d'être prisonnier? Ben, pas vraiment. Mais alors, pourquoi? Toi, tu as choisi de venir sur Terre? Tu as choisi le corps que tu avais, la famille que tu avais? Non. T'es là parce que c'est comme ça. Et je sais qu'au fond de toi, t'aurais jamais voulu naître. Je suis comme toi. J'ai jamais voulu de cette vie, moi. Être l'éternel adversaire, sans cesse décrier, pointer du doigt, insulter. On m'a fait naître pour une raison. Apporter l'équilibre au monde. Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je suis fatigué de tout ça. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mais je pouvais pas partir comme ça. Alors, avec Belzébuth, on a fait croire à un coup d'état et il a pris ma place. Celle du mal, du dirigeant de l'enfer. Le nouvel adversaire de Dieu. Le nouveau diable. Si Balaam connaissait la vérité... Non, il doit rien savoir. Personne ne doit connaître la vérité. Le monde doit continuer de tourner, sinon tout retournera au chaos. Mais ils sont en train de se battre, de mourir pour vous. Chacun a choisi de faire ses propres choix. J'ai rien demandé à personne, moi. Je veux rien demander de plus si c'est pouvoir vivre mes vieux jours tranquillement. Ton travail est fini maintenant. Tu devais aider les révolutionnaires et me retrouver. Voilà qui est fait. C'est vrai que je me suis retrouvé embarqué dans cette histoire malgré moi. Et même si j'ai rencontré des personnes formidables parmi les démons, c'est pas mon monde, ni mon combat. Je suis qu'un humain. Tu comptes faire quoi maintenant? Bah, je crois que moi aussi, je vais me reposer. Je suis arrivé au bout du chemin. Au commencement, il n'était rien. Et au septième jour, il n'était toujours rien. Une goutte dans l'océan. Mais si on y réfléchit bien, sans toutes ces petites gouttes, il n'y aurait pas d'océan. Le monde est ainsi, formé de petites gouttes. Tout est un, et un est tout. Quelle belle citation pour conclure cette aventure !